Le manioc, l'un des aliments les plus consommés des Quinois, mérite bien un détour. À Kinshasa, c'est dans les quartiers périphériques que l'on peut rencontrer les producteurs de cette denrée devenue incontournable dans l'alimentation quinoise, comme ici à Maluku. Très connu sous deux variétés, manioc doux et amer, ce dernier subit certaines transformations avant d'être prêt à la consommation. Toutes ces opérations, c'est pour éliminer l'acide cyanhydrique ou encore la maniotoxine, une substance contenue dans la racine du manioc qui, une fois consommée, peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Par ailleurs, le manioc doux qui ne contient aucune substance dangereuse est plutôt facile à consommer. Le manioc est composé d'eau, de matières grasses et amylacées, des celluloses, des protéines et des matières minérales. L'amidon contenu dans les maniocs est très demandé dans les industries textiles.